Yes, eh bien, son plaisir pour moi présenter l'histoire entre moi-même et madame. Nous connaissons déjà, moi, c'est David Sirai, le mari de. Yes, eh bien, son plaisir pour moi présenter l'histoire entre moi-même et madame. Nous connaissons déjà, moi c'est David Sirai, le mari de sœur Roselyne Sirai âgée. Je vous dis à son moment opportun pour nous parler un peu de nous. Peut-être en pile monde à travers le monde, pas qu'on est. Qui est-ce exactement qui prédicateur David Sirai et sa femme? Et il y a plusieurs côtés qui ont coûté moins, nous devenus un modèle à travers le monde et nous prêchions l'évangile selon Jean-Christ qui était là. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, pour yon moun évangélisé ou bien responsable, yon assemblé n'est autre que si la yon qui dans le corps de Christ, avant Jésus-Christ vienne, prend nous pour l'éternité. Donc, faut le diriger propre famille, propre foyer. Eh bien, nous chita là devant le monde pour nous dire le monde, mais qui moun nous y Nous, avant de rentrer dans le lien du mariage, nous passons 7 ans et fiançailles. C'était réellement avec un pile calamité pour nous réussir et fiançailles. Donc, comme c'est Dieu, il est maître de toutes choses. Il prédestinait toute bagaille et toute ça doit faire pour quel que soit mon cap coûte étendait, il était déjà dans le plan de Dieu. Eh bien, avec un pile patience que Dieu te bat nous t'ai rencontré et nous fiancés pour 7 ans. Eh bien, par contre, l'heure décisive là t'as pas arrivé pour nous marier. Eh bien, nous t'ai averti toute famille et toute assemblée qui était là-dedans, nous t'ai fait partie d'une assemblée qui est l'église de Dieu rachetée de l'Éternel, dirigée par le frère de ma femme, Roselyne Sirai. C'est en bas ministère ça, moi prends naissance spirituellement, grandis spirituellement. Eh bien, redirigeons-le. Nous choisi la sœur de ce pasteur-là, pasteur Éric Agé, qui n'a pas capable de nommer non ni citer non. C'est un homme de Dieu, un héros de la foi, qui nous fait pile crédit et qui grandit nos jours. Soit côté de héros qui t'ai encouragé nous spirituellement. Ben voilà, nous devons choisir que. Pour marier. Mais ça était toujours dans le plan de Dieu. Le 28 août 1998, nous devions rentrer dans le lieu du mariage. Mais, chers téléspectateurs, amis auditeurs, qui écoutez peut-être dans les médias, nous voulons dire clairement que ça n'est pas aussi facile, nous pas trouver en haut, en bas. La vie a pas tracé devant Dieu nous physiquement. Et pourtant, spirituellement, c'était déjà tracé. Nous pas connaît nous-mêmes. Et puisque Dieu, dans son amour infini, il trace ses plans, il fait route. Mais voilà, c'est ma femme. Et pour tout le monde qui a écouté l'évangile, frère David, lit aussi sérieux que possible pour nous dire que. Tout prédicateur qui a
prêcher l'évangile, un, ou besoin font un choix. Ils ont un choix qui est réellement décisif. Et dans le mariage, nous connaissons un ennemi prédicateur, c'est la chair. La chair, ça le fait, il faut vagabonder à travers les rues, le monde. Donc, la chair vient primer sur l'esprit des dictateurs et guider. Donc, on vient aveugle spirituellement, donc on fait tout autre chose. Et nous connaissons la seule chose, c'est l'esprit de Dieu par guider. Donc, il y a des bagages qui sont faits. Monde l'a condamné ou l'État a condamné ou tout le monde aux alentours a condamné ou parce que y a une réalité. Mais par contre, nous voulons dire ou même qu'à côté et vous êtes juste à travers le monde. Donc, nous gagnons foyer, nous gagnons famille qui disponible et disposée pour nous capables de véhiculer l'évangile. Ça. Tout frère avec ce mieux, l'évangile qu'on a prêché, elle n'est pas campée sur la chair, le sang, elle est campée sur l'esprit de Dieu. Donc, c'est ça, la lutte pour nous encourager, frère, nous, à travers le monde. C'est très important pour nous faire vrai l'évangile. Le vrai l'évangile, là, c'est adorer Dieu en esprit, en vérité. Il faut esprit, ça, vrai. Bon, bon, quitte, nous, je parle parce que c'est réellement intéressant, l'aide de marier. L'entérin mega pile tilet noté qu'on a écrit l'autre donc cette lettre ça peut servir nous de la foi pour te kembin nous c'est minouche comment y pour tout le monde qui parle de minouche mais nous pas connait nous pas l'expliquer très bientôt comment y c'est minouche. Merci pasteur, mon très bien. Oh, moi senti moi content avoir midi hein pour moi avec mari moi bon côté moi so là nous c'est fait rencontrer, nous rencontrer l'église, then nous devons arriver les amis, après nous devons remettre. Et dans remettre, nous devons passer en pile, l'homme était présenté et faire devant les frères qui étaient responsables. So, il n'a pas accepté remettre et ça a été fait mal en pile. Et malgré tout, je suis là, attaché avec frère David. Donner un bon support pour moi. Et remet on a continuer. Nous connaissons dans l'époque, là nous te remet et l'époque l'école, ça était dur pile. Surtout c'était Haïti. Surtout c'est Haïti nous t'aille. Bagaille pas de bon du tout. Bagaille pas de bon. Dès nous te supporter et bon Dieu te kembe remet hein. Pasteur était fini l'école. Le nous remet nous t'a fait retour ensemble, il finit l'école et puis il allait dans la police et dans la police il voyageait, il tournait, dès nous toujours été attaché. So nous venons marier. Oui, nous venons marier et nous fait carrière universitaire nous et après quoi nous rentrer dans la police nationale, nous font expérience de 5 ans dans la police. Après ça, nous commençons à expérimenter le mariage là entre nous. Mais nous sommes réellement remis. Ce n'est pas que nous remis qui était basé sur intérêt du tout. Si c'était intérêt, nous croyons et je dis à nous pas d'avance ensemble. Non, 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 non. Parce que pas de machine, pas de bicyclette, pas de rien du tout. Bagaille ou pas bon. Même famille te minimise et nous dit mais comment nous pouvons le remis et puis nous parlons du homme qui pour supporter nous côté nous praler. Bon, un pile message qui est tombé sous de nous comme pasteur à Haïti. Oui, c'est ça parce que là mon présenté fiancé moi là nous te remet devant vos amis. Vous connaissez tant que fille, moi te gagne un caractère d'âme de me présenter pasteur devant vos amis, yo pas d'accord. Yo dit me pasteur pas cadré moi ça. Oui, pas de moyens économiques. Pas ça pas cadré. Yo pas oui. Son fille préparer mieux pour qu'il ça marche t'attendre un monde comme ça. Ça veut pas ça bon Dieu t'es ouais, bon Dieu t'es ouais, il t'a metté nous ensemble, so il devait nous faire vie ensemble. So jusqu'à présent, bon Dieu kembe nous ensemble nous marier. Combien de mariage vous gagnez pasteur? Nous gagnons à peu près 18 ans de mariage.
18 ans de mariage, mais en 18 ans de mariage, zami et l'amour entre nous. Donc, si on a cherché qu'on ait des détails, on a un foyer qui a un modèle, même famille, on qui plus proche nous, par contre, comment nous fait j'en ai là. Donc, c'est between moi-même et lui-même et lui, le Seigneur, qui connaît qui parcourt nous passer. Donc, on a encouragé tout frère avec soeur. Donc, pour tout prédicateur, un, ou besoin de faire un choix. Parce que, ou encore dans la chair, madame vaut en pile dans le ministère. Donc, on encourage tout prédicateur ou pas capable de faire l'évangile avec propre tête par ou besoin ou compagne. Très important, c'est comme ça Dieu te baille pour Adam. Malgré Jean Satéye, donc Adam a besoin de compagne pour faire la route, ça a existé. La Bible dit, c'est une compagne, on compagne et pour mettre mise au point ça, et c'est la mort qui peut séparer nous et pour nous capables achever ordonnance Christ là. Donc, tout prédicateur qui a prêché l'évangile, nous encourager, qu'embé avec famille, pas laisser, pas changer, parce que pas de plus bénédiction qui sac dans mon nom son bénédiction. Donc c'est wow, pas well, son bénédiction, son richesse liée, ni garçon, ni fille. Nous sommes des bénédictions, c'est expérimenter pour nous expérimenter, l'automatique pour expérimenter. Et ou ap capable vivre li et ou ap sentir bien la donne. Ça qui est bien, ça veut dire ça Dieu ba ou contenté ou avec lui et pour grandir avec lui ou faire mon Dieu confiance et puis de jour en jour après le multiplier. Donc Dieu gagne assez de grâce pour tout le monde à travers le monde, ou pas besoin de faire aucun excès, donc seulement rester dans le plan de Dieu. Donc chérie, nous sentons contents, oui. Yeah, nous comptons parce que bon Dieu fait le chemin avec nous, sorti Haïti et puis nous traversons les États-Unis. Bon Dieu bénit nous, protège nous, reçoit nous. Alors, puis gros bénédiction, c'est parce que nous, dans le ministère, qui a servi au peuple spirituellement. Amen. Donc, c'est puis gros bénédiction que Dieu t'a donné nous, puis gros richesse, le fait que le bannement, c'est de la foi pour nous rester kembe et pour nous marcher avec Dieu. Il y a un texte. Nous courir, nous avancer. La Bible dit, le juste vivra par la foi. On croit sur mot ça qui n'a pas mis fin pour tous les amis qui parlent écouter nous soit dans la vidéo, qui parlent attendre nous, qui parlent commenter. Donc, on va toujours soit poser des questions et puis et nous espérer que on va trouver une réponse. Donc, une grande carrière dans le mariage et une grande carrière dans le ministère. Nous gagnons près de 27 à 28 ans depuis qu'on a prêché l'évangile. Ça, surtout, Jésus-Christ est notre Père éternel. Merci, caméraman, notre bien-aimé frère Patrice, Saint-Just, yon zami à nous, yon famille. Donc, nous baillons bon Dieu gloire. Nous saluons la sœur Bernadette Mathurin et de Boston et de Reading. Nous saluons toute l'équipe Reading, non? Qui fait partie l'assemblée de Dieu du bon samaritain, nous saluons. Donc, nous n'avons pas qu'à citer tout nous. Nous saluons tout ancien qui a commencé avec nous, surtout dans Reading, nous saluons. Donc, nous espérons que là, c'est Yon Kébé Melot. Donc, peut-être que là, capable, difficile pour comprendre, mais nous croyons que Yon Kébé Melot n'a réellement arrivé. Nous saluons la sœur Patrice. Donc, toutes amies. Et pourquoi pas pour me passer à lui, staff, et vous très juste, là, la soeur Carole Nazaire, on salue ta chance spéciale. Eh bien, chérie, un bail moun yon signe que nous remet, et nous retiremet, vous comprenez? Donc, ça va pas étonner tout le monde. On t'y baisse, tout petit. Ah! Que le Seigneur bénisse nous. À la prochaine, bye. À la prochaine. Merci, au revoir. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne,
le premier, le dernier. Présenter histoire entre moi-même et madame. Nous connaissons déjà, moi c'est David Sirai, le mari de sœur Roselyne Sirai âgée. Je vous dis à ce moment opportun pour nous parler un peu de nous. Peut-être en pile monde à travers le monde, pas connaît qui est exactement qui prédicateur David Sirai et sa femme. Et il y a plusieurs côtés qui ont témoin, nous devenus un modèle à travers le monde et nous prêchons l'évangile selon Jean-Christ qui était là. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, pour yon moun évangélisé ou bien responsable, yon assemblé n'est tout que si la yon qui dans le corps de Christ, avant Jésus-Christ vienne prendre nous pour l'éternité, donc faut le diriger propre famille, propre foyer. Et bien nous chita là devant le monde pour nous dire le monde, mais qui moun nous y est. Nous, avant de rentrer dans le lien du mariage, nous passons. Gloire à Dieu, à toi seul soit la gloire. Amen. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment. Côté WAP suivre, l'édition Ebou 13-8 TV. Non, pas nous, c'est David Sirai. Yon bien-aimé pasteur, le pasteur est un don de discernement pour capable porter la lumière sur la parole de Dieu. Eh bien, c'est une occasion favorable pour nous parler jodia à Soyala sur le mariage. Bien que nous gagnions des dizaines d'études sur le mariage sur Facebook, sur YouTube. Donc, justement, on est capable de taper Hébreu 13-8 TV. Donc, très important, et sur YouTube, on est capable de joindre nous sur page nous, sur Facebook, on est capable de joindre nous sur et website nous, et on est exactement qui ça est mariagé. Nous avons justement présenté Madame Noak, nous qui t'a bail un détail comment nous rencontrer et comment Dieu permet nous gagner des années depuis nous établir un foyer. Mais à soya, nous voulons mettre une mise au point sur le mariage qui gagne une importance capitale et que tout le monde a besoin automatiquement. Qu'on est qui ça mariage. Généralement, dans nous qui prend mariage avec un pile négligence,
Mais tout le monde qui croit dans la parole de Dieu, selon le Seigneur, selon la Bible, d'une façon et vraiment spéciale, que nous prenons le mariage. N'a pas eu un petit détail sur la vie, nous, et puis mettez-vous prêt pour nous capables de dire exactement parler de mariage et remariage qui c'est divorce. Restez branchés, restez connectés, et nous saluons tout. Super branché, édition 13-8. Nous saluons tout bien-aimé pasteur, évangéliste et tout ce qui a milité, surtout dans le foyer. Que le Seigneur bénisse nous. Restez branchés et nous retournons pour la lumière de la Bible, à savoir le mariage et remariage. Restez branchés. Yes, eh bien, son plaisir pour moi présenter histoire entre moi-même et madame. Nous connaissons déjà, moi c'est David Sirai, le mari de sœur Roselyne Sirai âgée. Je vous dis à son moment opportun pour nous parler un peu de nous. Peut-être en pile monde à travers le monde, pas connaît qui est exactement qui prédicateur David Sirai et sa femme. Et il y a plusieurs côtés qui ont témoin, nous devenus un modèle à travers le monde et nous prêchions l'évangile selon Jean-Christ qui était là. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, pour yon moun évangélisé ou bien responsable, yon assemblé, assemblé n'est tout que si la yon qui dans le corps de Christ, avant Jésus-Christ vienne, prend nous pour l'éternité, donc faut le diriger propre famille, propre foyer. Eh bien, nous chita là devant le monde pour nous dire le monde, mais qui m'ont noué. Nous, avant de nous entrer dans le lien du mariage, nous passer 7 ans et fiançailles. C'était réellement avec un pile calamité pour nous réussir et fiançailles. Donc, comme c'est Dieu, il est maître de toutes choses, il prédestine toute bagaille, et tout ça doit être fait pour quel que soit mon cap côté tendez, il était déjà dans le plan de Dieu. Nous retournons, chers amis, chers téléspectateurs, amis auditeurs de toute station de radio qui relayait émission Ubu 13 TV. Nous prenons un texte biblique qui est dans Matthieu chapitre 5, le verset 21 jusqu'au le verset et prenons le verset 27 à 32. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la
loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudie commet un adultère. Nous t'a remé que ou prend plumeau avec caillou pour capable prendre note, n'est-ce pas? N'a poté quelques mises au point sur le mariage qui est réellement important dans la vie de l'homme. Au contraire, le mariage, c'est le nom. Le mariage, c'est le nom. Et le verbe, c'est marier, n'est-ce pas? Donc, nouer, le verbe nouer. Ça t'apprend des synonymes de mariage. Donc, ouer, fondre ensemble. Donc, mariage, il y a plusieurs aspects qui identifient comme mariage. Plusieurs aspects. Premièrement, il y a l'aspect de l'esprit qui identifie mariage. Ça veut dire le yon groupe de moun ou bien deux moun croient. Yon gen même croyance, c'est yon type de mariage. Mariage, son type de mariage. Deuxièmement, le deux moun, surtout, et une femme et un homme, yon consommé. Et cher yo, ça veut dire yo rentrer en relation sexuelle. Yo fait sexe, c'est un autre type de mariage. Et ensuite, le n'aller devant officier d'état civil pour capable et run tout ça nous pral posséder ensemble par un papier qui signé par un officier d'état civil, c'est un autre type de mariage. Ça veut dire mariage gagne 3 ou 4 étapes. Quatrième étape là, et c'est lui la religion prend comme mariage. Ça veut dire al devant pasteur ou bien al devant prêtre catholique. N'a dit non, c'est pas aller devant pasteur qui mariage ni devant prêtre catholique qui mariage. Mariage existait un dans l'esprit, deux dans le sexe, trois et devant une autorité d'état civil, n'aller nous prend un papier qui dit que tout bien nous va le faire ensemble. Donc, li n'a pas qu'à partager yon ak lot. Et quatre, si ou ta vle, ou gen yon assemblé, ou ta vle fè yon remercier le Seigneur d'abord, et pour mariage sa déjà fait, ou gen droit rencontrer yon bien-aimé frère. Et puis nous font cérémonie ensemble, yon capable identifier yon l'autre, nous faisons fête, on festin, et pas aucun problème là-dessus. Donc mariage gagné, quatre et aspects là-dedans. Mariage c'est une alliance,
mariage c'est un contrat. Mais contrat ça, de pour parler de mariage, li dépasser, li au-dessus de contrat les hommes. On parle de mariage, c'est pas contrat les hommes, c'est un contrat qui existait par Dieu. C'est la plus grande institution, la plus ancienne du monde. Le mariage. Nous joignons comme modèle institution toute bagaille n'a gagné pour nous entreprendre les grands modèles qui établit surtout si la yo qui dans le Seigneur. Si la yo qui dans le Seigneur. Premier modèle là, et Jean la Bible dit dans Genèse et Genèse chapitre 2 chapitre 2 le verset 18. Donc la Bible qui c'est la parole de Dieu, la parole faite chair même. Donc la parole de Dieu révélée, l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu déclarait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme existait d'abord et Dieu, le créateur de l'humanité, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu dit, c'est Dieu qui constate pour l'homme, c'est pas l'homme qui te roule seul, l'imandé. Mais elle dit, Dieu constate, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que auparavant, tu as un père de chaque bête, et y a un père de cabri, et y a un mâle, y a une femelle. Y a un père de pigeon, y a un mâle, y a une femelle. Y a un père de cochon, y a un mâle, y a une femelle. Y a un père de chien, y a un mâle, y a une femelle. Donc c'est comme ça Dieu créé monde là. Eh bien Dieu constatait que l'homme seul, eh bien il va l'homme y a compagne, il parle by l'homme yon aide, mais comment le dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire bête pas semblé à l'homme, l'homme pas semblé à bête. Donc finalement Dieu pral by l'homme yon aide qui semblait à lui, yon aide a i de e. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, et tel que Adam, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme de gain responsabilité, à savoir d'Adam, pour bailler toute bête, non, toute bête qui est à travers le monde, c'est Adam qui baille au nom. Et la Bible dit, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Yon chien pas semblé avec l'homme, yon bourrique pas semblé avec l'homme, donc nous pas gain même image. Donc Dieu constatait ça et l'homme constatait le tout, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber du profond sommeil sur l'homme. Donc c'est à partir de cela le sommeil est en application. Dormi en application. Donc, l'homme
pour moun ki abdormi yo, donc c'est dans le verset 21, le dormi, sommeil, en application, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Pour la première fois, l'homme dormit. Première fois, la Bible identifie que l'homme sommeillait. Pendant l'homme abdormi, la Bible, l'esprit de la parole nous dit, il prit une de ses côtes. D'après statistique, la Bible. Alors, les grands scientifiques ont identifié que l'homme a 33 côtes. Voyons. Donc, la Bible identifie que Dieu prend une côte. Une de ses côtes, une de ses os, et le fin fait l'homme opération. Dieu c'est le plus grand docteur par excellence, donc Dieu pas besoin couteau, même Jean à la science de l'homme, mais Dieu pas besoin en rien pour le fan de l'homme, pour ça, les mêmes puissances li fait une opération dans Adam et le prend côte. Et la Bible dit, dans place côté zo a sorti, li refermé chair là encore dans place li. Ça veut dire, Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Dieu capable de faire toute opération. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme à l'aide de Zoa, à l'aide de côte là, yon côte, pas deux côtes, pas trois côtes, pas quatre côtes, pas cinq côtes, pas yon zo, deux os, trois os, quatre os, non, quatre os, non, quatre os, non, cinq. Oh non. Une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Son lié. Donc l'évangile ça, qui c'est bonne nouvelle ça, et vous très vite y a prêché. Donc il prêchait pour les parfaits, pour les sauver, qui sauvaient avant la fondation du monde, avant le monde existait. Donc message édition Hébreux 13 TV a prêché, c'est pour Mounzaoul prêcher, pour les élus. Donc la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est clair. Créateur côte l'été prend de Adam. La Bible dit lui former une femme. Il faut notamment réaliser que Dieu n'a pas été créé, alors la femme n'a pas été créée, mais la femme a été formée. Il y a le verbe créer et former. Donc lorsque Dieu prend dans Adam, il forme une femme. Parce que le pata capable créer. Parce que la femme, l'homme et la femme, t'es déjà existé déjà dans l'esprit. Mais la femme peut former. Mais à travers Adam seul, dans le jardin, il était guettant et Dieu était guettant mettait en existence. Bien avant que femme. Ça veut dire, une grande considération qu'on est capable d'identifier. Réaliser que Dieu ne prend pas là, l'autre côté, il ne prend pas roche pour former la femme. Il ne prend pas pied bois pour former la femme. Il prend chose quelconque pour former la femme. Il prend même l'homme
Adam pour former la femme. Par contre, combien de femmes qui ont coûté et l'édition Hébreu 13:8 TV dans ce moment ça, mais n'a dit clairement que Dieu pas prend et yon oiseau pour créer la femme, li pas prend yon chien. Il dit ah bon ralon chien. Non, Dieu prend même moun qui c'est Adam, il prend yon code d'Adam pour former la femme. Et après le sommeil d'Adam, le Adam réveillé, le paragraphe 23, dans chapitre 2, a dit, Adam dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os. Parmi toutes les zomio, ça a identifié comme zom. Ève, c'est yon nan, zo qui formé. Il dit, c'est chair de ma chair, et Adam relil, femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais dire clairement que, à travers la lumière de la Bible, mariage, gen en pile, importance. Non seulement mariage gen en pile importance, mais comment mariage c'est un mystère. Un mystère, ça veut dire c'est quelque chose qui est caché pas derrière. Donc, il a besoin pour gagner de bon discernement pour comprendre qui ça mariage. Mariage son mystère, c'est une révélation. Mariage, c'est la révélation de Dieu, donc quelque chose qui doit être révélé par Dieu. Donc n'importe profane pas capable justement parler de mariage. Quelle que soit autorité dans le monde là sur le plan gouvernemental tel que yon juge de paix, yon magistrat pas capable parler de mariage si toutefois li pa gen la révélation de la parole de Dieu. Donc faut les gagner la révélation de la parole de Dieu pour connaître qui ça mariage. C'est un aspect humain et un aspect divin. Chaque côté a un aspect dit et humain. Dieu révèle l'aspect divin tout. OK? Donc mariage pas seulement pour consommer là dans la chair, mais li gen yon représentation spirituelle, même parler de la vie éternelle. Mariage gen en pile profondeur. Pas oublier m'a parler de mariage et entrer dans l'église et entrer dans un temple, n'a pas parlé de mariage ça. Mais n'a parlé de yon mariage qui devient deux grands aspects, aspect divin et aspect humain. Mariage a établi dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Maintenant, nous allons suivre clairement comment mariage là t'es consommé. Un, yo marié dans l'esprit. Deux, yo consommé mariage là. Trois, et yo identifié yo que yo gen même héritage. Maintenant, dans Genèse chapitre 4, la Bible dit que yo consommé mariage là par le sexe. Première fois, le sexe
pral en application, donc qui pral bay deux petits. Il pral bay un yon petit garçon yo rele Caïn. Après yo fin consommer mariage là par le sexe, yo entré dans le sexe littéralement, pas occupé aucune autre religion qui dit sexe pas bon, sexe son bon bagaille. Mais li gon condition pour faire sexe pas péché, mais gon condition pour le faire. Si ou pas suivre condition, ça veut dire sexe vinyon mauvais bagaille parce que li fait dans mauvaise condition. Qui condition? Un, ou besoin marié, ça veut dire un, marié dans l'esprit, deux, consommer, trois, selon et l'évolution des temps, donc au besoin l'État, yon officier d'État civil qui notamment et notarié yon papier baou qui identifie comme marié. La Bible dit dans chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. La Bible dit, Abel, de son côté, de son tour, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel, Yahweh, il porta un regard favorable sur, premièrement, Abel et sur son offrande. Deux, mais il ne porta pas, Yahweh ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et la Bible dit, à cause que Yahweh ne porta pas un regard favorable sur l'offrande, sur Caïn premièrement et sur son offrande, la Bible dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Jalousie. Première fois jalousie paraît dans le monde là. Maintenant, et dans le paragraphe 6, 7, et à cause jalousie ça, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Deux grandes questions. Et l'Éternel, Yahweh, dit Caïn, si tu agis bien, ça veut dire un, le cœur de Caïn n'était pas bon. Le cœur de Caïn n'était pas agréable à Dieu. Il faut regarder clairement que la Bible, la parole de Dieu, pas jamais déclaré que parce que agissement Caïn pas bon, c'est ton diable. Non. La Bible commençait à montrer que Caïn justement pas bon. Caïn pas agi bien. Action Caïn, c'est action cœur Caïn. Action yon moun, c'est action cœur. Maintenant, Yahweh dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, ça que passé, le péché est couché, se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi. Ouais.
Ça veut dire ses désirs, les désirs charnels, yo seulement érigé, yo seulement en Caïn. Donc, c'est les désirs de Caïn pas glorifier Dieu. Voyons, donc, il dit, mais toi, domine sur lui. Dieu bail Caïn porte et pour le passé, il dit, mais toi, domine sur lui. Dominer son agissement ou parce que désir yo et comportement, attitude yo pas bon. Et leur attitude ou moun pas bon, li pas sorti l'autre côté, li sorti dans le cœur li d'abord. Ok? Maintenant, nous regardons que l'histoire là montre comment foyer a été déroulé. Mais, ça passait en présence d'Adam et Ève comme papa et maman. Et nous constatons que Caïn, à cause de jalousie ça, et les tuer propre frère. Et l'Éternel rentrait en conversation avec lui, donc nous songeons, rappeler selon le texte, et lui, pour poser la question, lui rentrer dans l'arrogance, pour lui dire, l'Éternel et pas qu'on a fait frère Abel, parce que pas gardien lui. Pas gardien. Et Abel. Et la Bible dit, la voix du sang de ton frère. Crime. Première fois, il y a un crime fait dans le monde. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, puisque la famille de Caïn vient en position, lui fait petit, Caïn fait petit, voyons, et la Bible dit que Caïn ça évadé dans le monde là. Lui a vagabondé, la vive la chair, lui poule. Pour lui-même, il prend propre destin en main. Ça veut dire, il est indépendant. Et la Bible dit, puis gros péché, de pour rendre indépendant dans le monde-là, Dieu, le créateur de l'univers, il va au dos automatiquement. Ou pas qu'à indépendant, il faut dépendre de Dieu. Et Dieu lance un pinga contre Caïn. Il dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas, ne le tue point. Signe, ça veut dire signe de la rébellion. Yon signe, ça veut dire tout côté Caïn passé, là, yon rebelle. Le signe de indépendance, c'est le signe même de la rébellion de Caïn. Et ainsi de suite. Maintenant, la Bible dit dans le verset 17, mariage pour le commencer pour l'autre façade. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, premier petit. Caïn, c'est Enoch. La Bible dit, il bâtit ensuite une ville
Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch, Caïn. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Dans la famille de Caïn, pral gen yon pitit ki pran nesans, yon garson ki se Lémec, premier moun ki pral pap manche dans la lignée d'Adam. Dans la lignée d'Adam, c'est Lémec. Pas oublier, Caïn était déjà désobéi. Et ça suivre Caïn juste à petite li. Et petite Caïn prend deux femmes qui c'est deux sœurs li. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sia. Donc Ada et Sia ou bien Sila, c'est les deux sœurs de Lémec. La Bible dit, Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jabal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Sila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui portait nom papal, grand-père lui, qui forgeait tous les instruments, des reins de fer, et la sœur de Tubal-Caïn était Naama. Ainsi de suite. Donc, verset 23 montrait que les mecs dit à ses femmes, les deux femmes, qui c'est Ada et Tia. Écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour meurtrissure. Et Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Ça veut dire, famine vine multiplier de violence en violence à cause la jalousie. La jalousie, c'est plus gros ennemi l'homme, l'homme jaloux. L'homme jaloux. Depuis l'homme jaloux, depuis la jalousie remplit le cœur ou donc tout bagaille possible comme violence pour faire. Et non. Et Abel, passé par la mort, passé de l'autre bord. Donc, Adam vient faire yon lot petit avec madame ni, yore l'il 7. Et donc, madame Adam qui si, Ève, déclaré, Yehova m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. C'est confirmé. Et la Bible dit 7. Eut aussi un fils et l'appela le nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pas oublier que c'est dans la famille de Seth. Et invocation de Dieu commençait. Mais dans la famille de Caïn, nous constatons. Au lieu d'invoquer le nom de Dieu, invoquer Yeshua, donc, yo manifesté, yo multiplié de la chair en chair, la chair dans la chair. Yo multiplié de violence en violence. Donc, mariage là, vin faibli. Ainsi de suite.
Là, nous gardons la famille de Seth. Et dans la famille de Seth, nous joignons toute génération famille. Non? Et Dieu pral d'abord, nous pral gagner les mecs, mais tout chez là, âgé de 87 ans, et engendra un autre petit tour, les mecs, dans famille 7. Donc, à l'époque, famille en famille, de génération en génération, yon pote non l'autre. Nous wègon l'autre, les mecs là, mais les mecs qui met touché chez là, âgé de 87 ans, engendra, donc automatiquement, c'est pas les mecs petit kaye. Mais touché là, vécu après la naissance de les mecs, 782 ans, il engendra des fils et des filles. Ça, la famille 7. Et la Bible dit, tous les jours de Métouchila furent de 969 ans, puis il mourut. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Les mecs dans la famille de 7. Pas dans la famille de Caïn, il y a plusieurs sept, il y a plusieurs les mecs, je m'excuse. Donc les mecs dans la famille de sept. Et la Bible dit les mecs dans la famille de sept engendra yon garçon. Les mecs, il lui donna le nom de Noé. Donc les mecs dans la famille de Seth pral engendrer yon petit garçon après les Noé. Et la Bible dit c'est Noé ça cap gen pour consoler nan fatigue nous nan travail pénible que n'a fait yo et provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Et la Bible dit les mecs vécus après la naissance de Noé, 595 ans, il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de les mecs furent de 777 ans. Puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam, Japhet. Maintenant, voilà la génération de Seth. Nous voyons comment la génération de Seth y est. Donc, vingon l'autre les mecs dans la famille de Seth qui engendré une petite garçon de Noé. Maintenant, nous toujours dans le mariage, nous voulons baou importance là. Donc, voyez comment à continuer nous garder bon côté dans foyer yo. Et mauvais côté, bon côté dans la famille de Seth, parce que Caïn et Abel a été tué par Caïn. Donc, mauvais côté dans la famille de Caïn. Et ensuite, lorsque, chapitre 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils leur furent nés, la Bible dit, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, les fils de Dieu, c'est la famille de sept. Ouais. Qui c'est la famille de Seth? Et il y a les filles des hommes étaient belles, qui c'est la famille de Seth.
Et, ouais, les fils de Dieu. Non, 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 non. Les fils de Dieu, c'est la famille de Seth. Je m'excuse. Les fils de Dieu, c'est la famille de Seth. Et les filles des hommes qui étaient belles, c'est la famille de Caïn. C'est la famille de Caïn. Des belles femmes. Bam, la terre connaît de belles femmes. Mais non! Et les fils de Dieu, qui c'est petit garçon Sethio, pral rentrer en relation à la famille de Caïn, qui bail de belles femmes. Qu'on y a, nous pral gen au mariage mix. Qu'on y a, Dieu pral gen problème avec l'homme, le fait que l'y fait yon mariage mix. Dieu contre tout mariage mix. Les fils de Dieu, c'est les fils de Seth qui obéissent à l'ordre de Dieu, mais les filles de Caïn, voyons, donc, yo même, yo animé les filles de Caïn animées de la chair seulement. N'apprenons une pause et puis automatiquement nous faisons une pause là et nous retournons pour nous expliquer comment qui problème Dieu gagne avec mariage mix et qui prend le bail toute dégradation ça à travers le monde là. Rebrancher et rester connecté. Donc, frère David a retourné pour étude là. Le premier, le dernier, tu es.
chers amis, chers téléspectateurs, toujours et ton frère David Sirai qui est là pour porter lumière sur la parole. Notez exactement dans chapitre 6, dans Genèse, n'est-ce pas? Côté la Bible montrait que Dieu a un gros problème avec race Caïn et à race Seth. Le fait que race Seth yo entré en relation avec race Caïn, Dieu fâché. Yo marié, Dieu fâché parce que la Bible relé yo mariage mixte. Dieu compte le mariage mix. Il va porter de gros conséquences le fait que nous fait des mariages mix. Ça veut dire moun ki croit nan créateur doit marier à moun ki croit nan créateur. Garçon qui croit dans le Créateur, comme le seul vrai Créateur, doit marier avec femme qui croit dans le Créateur, le seul vrai Créateur. Mais ni garçon et ni femme pas de droit marier avec yon qui pas reconnaître Dieu comme créateur et pour l'obéir. Dieu a un problème. Et si nous pourrions aller vite dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Donc, l'Esprit de Dieu en Paul dit l'Église de Corinthe, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est question mariage là qu'a défini là. Donc ou pas qu'a décider. Ça veut dire dans mariage l'on font erreur, il y a gros conséquences. N'importe si erreur fait dans le mariage, gagne une gros conséquence. La Bible qui c'est la parole de Dieu, il dit quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est de Genèse 6 qu'a parlé là. Le fait que la famille de Seth rentrait en mariage avec la famille de Caïn. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc la Bible relé moun qui pas croit dans Christ, qui pas croit dans créateur Bélial. Yo expression qui identifie avec la chair. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Pas un rapport. Les fils de Seth, ce sont des hommes fidèles. Mais les filles de Caïn, qui étaient belles, yo, la Bible identifie comme infidèles. Yo, pas besoin de faire absolument rien. Le fait que yo prennent destin propre, peut-être pas yo, pour yo pas reconnaître Dieu. Donc, la Bible est infidèle. Ou pas besoin de faire absolument rien. La Bible est infidèle. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça veut dire, moun qui connaît bon Dieu, pas droit faire mariage mix. M'a profité, lancé appel ça avec des pasteurs. Ou pas besoin de prendre des excuses. Ou font erreur, ou pas gain dimension de la parole de Dieu. Donc, une fois que vous pas éclairé par la parole de Dieu, donc, c'est normal ou tomber dans l'erreur. On seul bagage qu'a fait, reconnaître ou faire erreur. Mais soit plaidé, justifié, t'es tout. Donc, on va rentrer, t'es tout. Ou rentrer tête dans l'abîme. Ou rentrer tête tout plus dans les ténèbres. Ou pas qu'à juste. Donc, mariage mix, non. Donc, dans Genèse chapitre 6, la Bible montrait que Yéhoshua a un gros problème avec mariage mix. Prenons le cas où c'est un monde qui n'a assemblé ou croit que Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu ou baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on y a ou pral prend yon corps de Christ qui croit dans deux dieux yon placé Dieu le Père comme supérieur. Ils ont placé Jésus-Christ comme inférieur, comme un petit Dieu. Ou fait mariage mixte. Comment on peut vivre avec une femme ou bien un mari, nous pas croire même gens. Et puis, gros mariage là, c'est dans le Seigneur et dans l'Esprit. Donc, Dieu a un gros problème avec la terre, le fait que. Yo rentré dans le mariage mixte. Mais là, on a le gros problème qui est établi. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants, pour la religion, yo comprennent, les géants, ce sont des anges. Des anges sans corps, non. Les géants, c'était petit Caïn qui commençait à multiplier. Qui baille des géants rebelles qui prend propre destin yo qui sous la terre. Et la Bible dit les fils de Dieu te guettant rencontrer à les filles des hommes qui c'est les filles de Lémec. Les filles de Caïn. Il y a deux Lémec, pas oublier, Lémec petite Caïn et Lémec petite Seth. Qui sortit dans la famille de Seth. Et la Bible dit qu'elle leur eurent donné des enfants. Ils ont rentré, ils ont fait mariage mixte. La Bible dit ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vingon mixage un groupe qui compte bon Dieu qui sorti de la famille de Dieu, l'homme de Dieu, un groupe qui pas sorti de la famille de Dieu, ça veut dire yo prend propre destination pa yo. Dieu gen problème à n'importe monde qui pas quitté Dieu et qui pas dépend notamment de Dieu. Donc automatiquement ou prend propre destin ou dit ou pas contre Dieu, ça veut dire ou vin infidèle, ou pas besoin ni voler, ni tomber dans la prostitution, faire absolument rien, tout reste bagage ça ou pral vin après. Le ou c'est petit bon Dieu ou c'est les fils de Dieu, faut ou admettre que Dieu seul, indépendant et au dépend de Dieu. Et la Bible dit, dans le verset 5, à cause mariage mixte,
Jéhovah vit que la méchanceté des hommes était grande sur la à cause mariage mixte. Et on passe pas qu'à prendre décision pour le marier et puis on va le faire mariage mixte ou respecte que ou t'as bon bon madame comment on va le faire gain bon madame là. Yon évangéliste prend décision pour marier et pour faire mariage mixte et pour qu'on on va le gain bon madame quand on va joindre. Nous pas de même famille. Yon c'est de la famille de la chair seulement, l'autre là de la famille de Dieu. Qui dépendent de Dieu. Comment on fait pas tomber dans divorce là? Et c'est ça, Israël va le connaître à cause mariage mixte. Et la Bible dit, Dieu fâché. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et tous les pensées de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal à cause mariage mixte. Et l'Éternel fâché dans le verset 7, il dit m'pral exterminer la surface de la terre, la face de la terre, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car l'Éternel des problèmes parce que l'homme agit de la sorte. Et Dieu pral quitter yon seul modèle, seulement la famille Noé. Mais ça baille, puis gros déluge sous la terre. Mariage mix, la chair. Mais non! Nous prenons la famille Noé, déluge passé, la trié. Nous prenons chapitre 7, nous prenons chapitre 8, etc. qui parlait de déluge là. Nous prenons chapitre 9. Et nous venons chapitre 9, déluge la passé à cause mariage mix. Tout le monde qui fait mariage mix ou a payé conséquence là. Quand même, soit fille ou garçon. Pas gars à sortir de la mariage mixte. Mais non! L'Éternel déclaré dans la parole li. Et les dit les béni Noé. Il bénit petit Noé. Il dit yo kounye, nous pral fon l'autre nation, l'autre génération. Soyez fécond, multipliez, remplissez la terre. Dieu détruit la terre par l'eau. Donc ils font l'autre alliance avec les hommes. Yon l'autre alliance avec l'homme. Et puis Dieu commençait à mettre des principes à l'homme. Il dit bon, dans le verset 11, chapitre 9, il dit j'établis mon alliance avec vous, la famille Noé, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il y aura plus de déluge. Pour détruire la terre. Dieu a parlé. Et Dieu by signe, automatiquement, il dit, j'ai placé mon arc de la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra de la nuit. Donc, l'Éternel a un signe d'arc-en-ciel qui dit l'ipap détruit la terre par de l'eau encore. Ok? Contrat. On l'autre contrat fait.
Et la Bible dit, et dans chapitre 10, la famille de Noé commençait à multiplier la terre. Et chapitre 10, et la Bible dit que lui parlait que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mariage tellement gros importance capitale. La terre retournait encore dans l'unification. Et la Bible dit, ils ont retourné en l'autre rébellion encore. Rébellion, que yo dit yo pas uni. Les mecs, petit Caïn, dit yo pas d'accord. Un homme, une femme, yo désobéi, mais ça yo joigne. Et la famille Noé tout, qui sont l'autre génération, yo dit yo même yo pas uni. Yo dit allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. La Bible montrait comment l'homme tombait dans la désobéissance. Chaque fois que l'homme désobéit, Dieu fait une alliance à l'homme. L'Éternel te dit, l'homme, c'est pour multiplier la terre. Il même dit, non, il pas multiplier la terre. Donc, il rentrait, il fait autre chose que ça, l'Éternel, Dieu dit. Chapitre 11, chapitre 12. La Bible dit, Abraham, d'une autre alliance, après la désobéissance, les dieux dispersés, ils n'ont pas baillé une seule langue encore, et puis ils font alliance à Abraham. Écoutez, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. On l'autre alliance s'il y a encore. On l'autre contrat. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. La Bible a montré que Abraham pral gen 75 ans lorsque li sorti de Haran et Abraham et prend Sarah pour madame ni qui c'est seule. Ok? Et la Bible dit, Abraham te recevra promesse que l'Éternel fait, la fait devenir une grande nation. Moun qui bénit Abraham a béni, moun qui maudit l'a maudit. Maintenant, chapitre 12, chapitre 13, et la Bible pour le montrer de grands exploits qu'il fait avec Abraham, exploits et batailles avec des rois et leur
Et l'eau nouvelle, tu es supposé faire même mot avec elle, et puis il choisit l'autre direction. Donc, l'Éternel montrait Abraham qui est la velle. Mais pas oublier, Abraham prend une seule femme. Et il était une servante qui t'a servi, qui t'a reliée à Agar. Et automatiquement, madame Abraham prend le fait, Abraham font erreur grave. Dieu te dit, Abraham, l'appel devenu une grande nation. Dans l'impatience, et la Bible dit, Sarah n'a pas fait petit. Et là, rentré en âge, mais oublié que l'Éternel parlait, il a parlé une seule fois. Parole l'Éternel suffit pour faire tout ça. L'idou est fait dans l'œil, dans tonne, non tant fixé que le placé. Et Abraham va le temps de conseiller madame ni. Et la Bible dit, Abraham prend Agar comme femme. Et pourtant, l'Éternel pral accompli promesse là à travers Abraham et Sarah. Donc, il pral bayo Isaac comme petit. Et le fait que Sarah encourageait Abraham pour prendre Agar pour rentrer en relation sexuelle, mariage mixte. Il va le désobéir. Et Genèse 2, verset 18. Un homme, une femme. Donc, Abraham va automatiquement rentrer en relation sexuelle avec Agar. Il va le bailler Ismaël. Côté l'Éternel, pas reconnaître Ismaël comme petit Abraham. Ou est-ce conséquence ça? Il ne peut pas reconnaître petit Abraham. Chapitre 16, chapitre 18, chapitre 17, etc. Donc, nous voyons tout ça, Abraham rencontré. Chapitre 18, parler côté l'Éternel vient visiter Abraham et l'a trié. L'Éternel a détruit Sodome et Gomorre. Le fait que la chair multiplie là, à cause de la chair, l'Éternel détruit Sodome et Gomorre. Chapitre 20, Noé, faute d'Abraham, et tout ça. Et Abraham gagne Agar, Sarah comme madame ni, et la trier, etc. Donc, il arrive dans une zone, donc au lieu, il dit, c'est madame ni, et seul, donc, il dit c'est seul seulement. Donc, nous avons erreur d'Abraham. À cause. Et nous allons constater que dans le chapitre 21, et Ismaël va prendre naissance. Et ensuite, Isaac va prendre naissance. Bon. L'Éternel ne reconnaît Ismaël comme petit Abraham. Parce que il était un contrat avec. Avec Abraham, la fête d'une grande nation, je ferai aussi une grande nation et du fils de ta servante, et il est ta postérité. C'est vrai. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau et qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et lui remit aussi l'enfant et l'envoya et elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis une porte d'ac, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant.
cause des obéissances. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et automatiquement, donc, Abraham obligé chasser Agar avec Ismaël, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ?» Et l'Éternel dit, « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix, Alléluia, Dieu a entendu la voix de l'enfant, Alléluia, glory, 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 glory to God. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » L'Éternel pourra utiliser la volonté permissive pour lever Agar. À tout petit là. Et la Bible dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ainsi de suite. Donc, nous constater erreur dans mariage, l'offre est dans mariage ou pile. Abraham te paye conséquence. Et la Bible dit, sorti dans chapitre 21, rentrer dans chapitre 22, et puis Dieu pral tester la foi d'Abraham dans chapitre 22. Et ceci est tellement vrai, pour terminer mes chers amis, la Bible dit, après toute calamité d'Abraham à cause d'erreur, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, il n'a pas dit, il y a Ismaël, ton unique, celui que tu aimes, et puis pour ne pas faire erreur, Isaac. Dieu va reconnaître Ismaël. Il a nous fait erreur, mes bien-aimés. Si nous fait erreur, déjà reconnaître erreur. Mais n'a payé erreur. Isaac, il dit, que tu aimes Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voyons. Donc, il passait Abraham à l'épreuve avec Isaac. Isaac parle un symbole. Un symbole qui est très significatif spirituellement. Mais Abraham a besoin qu'on ait des épreuves face à une erreur dans le foyer. L'homme foyer, son bagage qui sacré, un foyer, il sacré. Sacré. Et la Bible montrait tout l'autre chapitre et la triée qui parlait de Abraham, Isaac, Jacob et la triée. Donc, nous sortis dans le livre de Genèse et nous rentrer dans Exode. Nous voyons Israël tomber. À cause de toute erreur faite dans la loi de Dieu, Israël, dans son ensemble, fait erreur, il est tombé en Égypte 430 ans. Nous avons besoin de Moïse. Et Moïse rivé. L'esprit de Caïn, plusieurs femmes n'ont existé. C'est ça, Moïse levé, grand-papa, c'est ça. Yo quitté pour lui, eh bien, l'elle gade
peuple a vivre dans a vivre la chair, donc li obligé permettre yo mettre des lois comme leader. Dieu pas jamais établi pour nèg plusieurs femmes ni pour femme gen plusieurs nèg. Et puis Dieu utilise la volonté permissive. C'est la raison pour laquelle m'a conclu avec verset ça. Non. Dans Marc chapitre 10 pour tout bien-aimé qui comprennent, les dieux viennent Jésus-Christ vient rétablir mariage dans la nouvelle alliance. Donc yo ka comprendre pour porter un autre bagaille. Yo ka comprendre, yo ka vinn di à cause erreur yo, yo vinn publier prêcher erreur yo sur les autres et comme ça, y a jeune monde mais pas monde qui recevoir le message avant de ce siècle. Monde qui recevoir mystère de Christ avant la fondation du monde. La Bible dit dans le verset 2, Marc chapitre 10, les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver et lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Le Seigneur Jésus-Christ répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse prescrit. Pas oublier, tout ça Moïse prescrit dans Matthieu 5, qu'il a été dit, mais moi-même, mais ça me dit. La Bible dit, Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. C'est Moïse qui dit ça. Moïse qui by Lord écrit une lettre depuis que erreur dans foyer soyons nous l'autre répudier femme Moïse. Dieu te permet ça. Et Jésus-Christ répond yo ça fait Moïse te fait ça c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Verset 6, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent de la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme, parce que Jésus-Christ vient rétablir mariage, qui était en pile des autres dans l'Ancien Testament, mais Dieu te permet ça. Ok? Il dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Lors divorcé ou remarié, moun ou marié, divorce son package. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse un autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Ça veut dire question divorce là. C'est pour pareil monde qui pas connaît et le mystère de Dieu, c'est pour pareil, c'est monde qui pour croire dans bon Dieu. Mais monde qui croit dans bon Dieu, divorce pas pour monde qui croit dans bon Dieu, monde qui a des expériences dans bon Dieu, divorce pas pour remariage pas pour moun qui croit, on va parler pour moun qui pas croit. Moun qui croit dans bon Dieu, divorce pas pour remariage pas pour. Et la Bible dit sauf
en cas d'infidélité, ça faut tomber dans son cas d'infidélité parce que auparavant ou t'es fait mariage mix. Dieu t'a détruit la terre pour le mariage mix. Je dis si madame n'a tombé dans la pornographie, l'est tombé dans lesbianisme, l'est tombé ou bien Maria tombé dans pédérastie la trier, oui. Ou ka divorcé. Mais sauve les sauver ou pas kage madame ou pas kage mari. Faut payer conséquence non pour rester attaché à bon Dieu. La plus grande bénédiction c'est l'attaché à bon Dieu. Qu'on y a ou pral obligé fait un coup Paul sans madame. Ou pral faire comme des femme de Dieu qui était dans le temple, dans la prière. Ça est l'évangile sauvé, salut lié. Moun qui gagne oreille pour tendre, va tendre à travers mode là. C'était amis nous pasteur David Siray qui t'a encouragé sur le mariage. Mariage, il y a une grande importance. Il y a une grande profondeur spirituelle. Moun qui en Christ qui marié, arrangez nous vive à madame nous. Jean la Bible dit dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 2, il dit une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a lié à son mari. À bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse, une très très bonne journée et à bientôt. Pas oublier partager émission Hébreux 13:8 à un frère avec une sœur. Pas oublier abonnez-nous sur YouTube, abonnez-nous sur Facebook et comme ça nous va grandir et message là va rejoindre en pile monde à travers monde là. Merci en pile et à la prochaine. Bonne nuit. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha.